Salut, comment capable installer un inverter simple? C'est ça qui me parle de débattre avec aujourd'hui. Bienvenue sur channel EP Power, channel ça là pour informer ou informer sur l'électronique, macramé, technologie, sur pas de quoi abonner les amis, me fais ça pour pas rater une vidéo qui n'a pas lagué. Merci. Ok, les amis, je vais vous partager ces connaissances ensemble avec vous. Ok, si nous avons marqué, nous avons marqué installation et. Je tiens à qui ça que je viens partager ensemble avec nos amis, c'est seulement comment nous sommes capables d'installer un inverter. Ça c'est un inverter, ça c'est source EDH que je gagne, ça c'est source inverter. Alors je mets l'EDH parce que c'est un itinéraire, mais ça me dit que je mets l'électricité seulement, laisse ça, je connais seulement pellicule, la source de la pellicule seulement 20 chaînes. Ok? Mais c'est un itinéraire, je vais mettre l'EDH pour nous faire plus facile comprendre. Ça c'est un double tour. Et puis ça c'est le caïnoua, ok? Et puis ça c'est une prison que je mettais à part qui toujours dans le caïla, mais sauf que je mettais le lieu parce que caïla pas trop gros pour nous faire plus facile comprendre. Ok, ça c'est mieux. Et ma rentre là pour me dire que double tour qui roule et qui ça le fait dans le système là. Double tour lui-même est seulement là pour mettre deux courants parallèles. Ça veut dire. Là que moi sur EDH, EDH a pas rencontré avec une inverter. Là sur inverter, inverter a pas rencontré avec EDH. Là voilà. Sur table de là, double son sorti en bas, le sorti en mi-temps et puis il arrive en là. OK? Là il fait 4 pôles ça yo. Il fait 2 pôles ça yo relié et il fait 2 pôles ça yo relié, mais en bas pas joint pas relié ensemble avec yo. Vous comprenez? Donc quand y a là qui ça qu'on gagne, moi mettez inverter là en bas, moi râler ça c'est out in qui c'est phase entrée, ça nous vulgairement appelé chaud, ça nous est le fil chaud, hein? C'est lui même, ok, nous mettez en bas, ok, et puis ça c'est bon net là qui c'est net in, net in entrée ou bien net entrée, ah ben ça c'est ça nous est le fil fret là, ok, nous mettez dans bas ça. Eh bien, ok, qu'on y a là, mes amis, pour double tour, c'est input, mais pour inverter, c'est output, parce que l'inverter sorti, et là, pour rentrer dans double tour. Alors, là, c'est output, mais immédiatement, l'arrivée là, c'est input. Mais pour moi, j'ai écrit ça, parce que j'ai écrit la partie ça. Comme ça, pas trop important. Pour moi, quand même, il faut que c'est sorti, pour ça, c'est sorti. Moi, je mets le comme ça. Ok? Quand on a moins fin bah nous partie inverter, quand on a travaillé avec partie EDH là, ça c'est partie EDH là, quand on a ça qu'on va connecter ça, on va connecter ça parce que ça c'est tension qu'il y a, les fin sortir dans transformateur, les ça va passer par safety et puis quand on a la fin sortir dans double tour, ça qu'on va arriver ça là. Quand on a qui ça qui n'a fait un mieux, n'a seulement prend ça, nous mettez là, nous conduit, nous fait venir la pôle en l'air. Double tour gain 6 pôles. Il y a 6 pôles, 2 pour EDH, 2 pour inverter et puis 2 pour output, inverter et EDH. Ok? Quand il y a là, ça nous conduit, nous venons là ensemble avec lui. Nous reconduisons net là encore, ça c'est net input. Ça veut dire c'est net entrée. Ok? Et phase out input, ça c'est phase entrée. Et bien là, nous venons gagner, c'est phase là qui vient là, ça c'est net là qui vient là. Ok, pour nous allons demander pour qui ça que mettez prise ça, mais prise ça même, c'est parce que gain réchaud, gain fer à repasser, gain frigidaire, ce sont une fête c'est pour gain dépendamment des wattages, les gars pas qu'à marcher sur une fête à laisser ça, ou pas besoin introduire prise là en dedans car là pour mettre le sous frigidaire, pour mettre le sous inverter exactement laisser ça, l'ouvrir inverter, l'ouvrir double toi sur inverter, frigidaire tout marcher sur le bien réchaud, tout marcher sur lui, mais qu'on y a là, les qui mettez le comme ça. Les qu'on mettait comme ça, aucune possibilité, aucune prise à part pour ni inverter, pour ni faire repasser, pour ni réchaud, ni frigider. Les ça même si vous pluguez, vous pluguez réchaud sous courant, vous pluguez réchaud sous courant, vous pluguez faire sous courant, vous pluguez frigider sous courant. Immédiatement au grand courant, vous mettez venir virer ça, les papes marcher sur une inverter c'est seulement sous courant qu'il a marché. Nous t'assurons que bien prendre son, vous comprenez ça.
Et puis, tout client autour, m'a dit nous, on fait vidéo ça spécialement pour client parce que y a un peu de client, on vient d'acheter une nouvelle, on pas gain cob pour ta pour un boss installer pour au dit moins, gain client tout qu'on pas décidé payer boss, qui vont pas décidé payer un technicien pour installer pour le même maison, il m'a dit nous, m'a conscientiser nous acheter une VTR pour cob, nous acheter batterie, nous acheter l'autre bagaille, mais mes amis, réserver nous dépenser un petit cob, nous bailler, on bosse fait travail là pour nous bailler un technicien fait travail là pour nous laisser travail là plus assuré. Vous comprenez? Mais moi j'ai souhaité cette précision ça pour m'expliquer nous parce que pour nous pas dire nous pas de connaître. Vous comprenez? Alors, laissons boss qui fait travail là pour nous laisser assuré parce que laissons même qu'a faire ça qui arrive au gain intelligence au 7, mais il pas arrivé dans point qu'elle doit arriver. Vous comprenez? C'est ça que fait moi porter vidéo ça pour nous, c'est vrai, mais le plus important c'est que nous bailler un technicien fait travail là pour nous laisser nous connaître notre travail qui fiable. OK? Et puis tout ou même tout regarder vidéo ça m'a demandé partager pour moi s'il vous plaît parce que il y a l'autre monde qui besoin wel tout et pas seulement même gampil une vête cap bouler gampil une vête cap bouler. Donc le plus souvent ça cause une vête brûler, c'est soit que yo plug un appareil qui trop lourd pour lui, c'est soit un appareil ça aussi une vête pas compatible ensemble avec lui. Alors si une vête pas un gros une vête pour ta dire pour marcher vous voir pour réchaud avec fait, vous comprenez? Donc c'est ça fait les concerts nous supposé toujours mettre une prise, une prise à part pour lui, vous comprenez? Et puis laisse ça nous mettre prise là à part, faut que courant EDH la pas bien rencontre ensemble avec courant inverter et puis tout le bloc on bagaille sous courant EDH les pas m'a connecté sur inverter, ça veut dire vous mettez prise à part la marcher celle sur EDH mais pas marcher sur inverter. OK, connia là là que nous gain double soit comme ça moi gain temps parler nous des de points ça yo connia ça en bas c'est input pour inverter. Ça en l'air c'est input pour EDH. Autre machine le permet de on va mettre en l'air, on va mettre en au cas virer ça, on met une vêtement en l'air, on met une vêtement en bas et EDH en bas, ça c'est au même, vous comprenez, parce qu'on va mettre dans les porte pôle. OK? OK, quand on a nous gain pôle mi-temps, nous gain trois deux pôles mi-temps, une servi pour phase, l'autre servi pour net. Et bien ça c'est output qu'il y a. On va mettre hot output, phase sortie, net output, net sortie. OK? Donc quand il y a là, prend double tour, moi level, moi courir, moi venir déposer là. Quand il y a là deux pièces à revenir était libre, il pas gain rapport avec EDH encore, il vient descendre là. Il vient descendre là. Quand il y a si on fait ça comme ça. Alors quand on me connecte, me gain ta mettre l'autre là déjà. Si on fait ça comme ça. On prend ça, on fait comme ça. Et on fait ça. Quand il y a la lame, prend double soit me virer le mettre en bas, me lever dans l'air, me lever dans l'air comme ça, me coucher là. Et bien quand il y a là, laisse ça double soit pas gain rencontre avec là, quand il y a l'air bail coin EDH moyen, l'air bail coin EDH là, coin EDH capable jamais rentrer sur une vérité parce que yo pas gon point commun gain c'est ça, mais c'est le level, c'est le déplacer le bras sur les, ça veut dire de vous mettre en bas. Il n'y a pas de possibilité pour aller sur EDH. Là. EDH n'a pas qu'à entrer sur une vétérinaire. Parce que le plus souvent, les gens qui ont besoin de ces plugs, les gens qui viennent sur une vétérinaire, ils ont conseillé comment installer les autres. Ces plugs, ils ont plugé, les gens qui font trop va-et-vient. Et les gens qui ont même appris à ces gens qui sont responsables, que c'est ces gens qui crasent, ou bien c'est l'autre monde qui a servi dans la carrière qui mal fonctionné ensemble avec lui. Mais pourtant, c'est une installation qui était déjà pas bon depuis au début. Si l'installation est bon, ça va d'abriver. Vous comprenez? Quand il y a l'air, on met le comme ça, même si EDH, même si vous venez avec un EDH, sauf quoi, quand il y a un conseil, vous avez viré. Les vignes ont besoin. Quand il y a si vous pas viré, les papes marchent, les papes, quand on va pas entrer sur une vétérinaire. Parce que immédiatement, si vous prenez, si vous avez tout ça au fond seul, si vous avez son plug, vous avez dans EDH, quand il y a le courant, quand vous avez EDH, là, l'app vient directement dans une vétérinaire. Or, une vétérinaire, c'est output, l'output n'est pas input là. Tout le prise aussi à côté ou pas input. Quand il y a là, c'est normal pour une vête à venir tomber en panne. Quand il y a une vête à tomber en panne, on va dire c'est mon non, mais c'est au même qui est de prendre, qui est de gérer ça depuis auparavant. Ça veut dire que chaque monde qui a pas acheté une vête, ou il a acheté une vête à la même, c'est vrai. Mais prends les soins, pas un technicien installé pour relayer un monde qui vient faire installation. Parce que c'est vraiment important.
comme ça l'on va le dépenser au début ou pas le dépenser le plus devant. Donc dépenser les nappes font dépenses résilier nous même si nous pas nous connaissons cob là pas facile c'est vrai mais résilier nous parce que pour qu'à finir chez marchandise pour le cob et puis l'offre pas qu'à bailler un technicien cob pour faire installation pour client comment dire chez matériel pour 2000 $ et puis l'on m'a dit aux $500 il a trouvé le trop ça veut dire toujours mettre un technicien pour qu'on nous fasse installation ça pour nous parce que c'est vraiment important. Ok, parce que là que vous pas dépenser ou pas faire dépenser comme ça l'on paye la réparation le capi mal vous parce que il y a pas là qui doit en panne, il va pas réparer tout. Vous comprenez? Il y a ça pour dépenser le plus. Alors, c'est tout ça qui m'était porté pour nous, mes amis. Bien garder le schéma, ou même qui va faire installation, ça sont d'obel sous l'épaule. Les 40 rappel 460 après département de inventaire gagné. Ok? Les département de inventaire pour gagner le cap plus gros. Ok? Ça veut dire bien garder l'image là et puis comprendre ni ma. Zami mio, meni, ça c'est d'obel tout, hein? Qui m'était montré nous, hein? Ça c'est fil. Ça sont fil 14, fil 14 blanc, fil 14 rouge. Ça c'est un coupante. OK, ça c'est un tournevis étoile comme ça tout. Ça va dépendre de dobel ce que vous gagne en cas servir avec plateau, ça c'est un témoin, ça c'est un petit lampe. Donc que me pral utiliser me ca montrer nous. Voilà, OK. Et puis ça sont témoin. OK. Et puis ça c'est inverter. OK, zami myo. Voilà. OK. Ça c'est inverter. Ça c'est prise. Prise simple. OK. Ça c'est prise simple. Donc, qu'on a qui ça n'a fait? Donc moi te dis là m'a servi avec un plug comme c'est ça qui est plus facile pour nous servir et puis tout c'est ça qui plus ou moins qui ca marcher avec inverter parce que à haute tête là pas recevoir l'autre plug quand ça n'a fait n'a dénudé ça n'a dénudé plug là. OK, alors m'a dénudé là, m'a utiliser pince là pour dénuder. OK. 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 OK, moi prends petit tournevis. Alors ça c'est étoile même t'as plus besoin plate pour me caler petit cover ça yo. Lever cover ça pour me ca joindre ak fisio pour me ca visier yo. Dobel tout ça pas besoin de démonter pour lever. OK, ou seulement lever ça yo. OK. OK. OK, là si on garde Nobel tu on va mettre B A B A. Et puis là on connait gain B. Là nous gain A. OK, voilà gain A là et puis B là, A B B A. OK, qu'on y a là pour moi même j'ai utilisé blanc pour B. Blanc c'est net là. OK, mon visier mon lâcher vis là pour me capable mettre fil là chita. Moi je mette fil la chita. OK, me fourre fil là. OK, me fourre fil la dan. OK, me cagel comme ça pour nous carré. Faut un petit entrer ton vis là pour me cacher un espace mettre fil là. OK, moi entrer fil moi yo moi visier. OK, me visier on vient là encore. Moi visier. OK. OK, double souvent sur les wap metel si c'est nami wap les wap visel nami il gagne deux espaces là côté ka visel. On fait la PC mi avec cheville, à PC mi avec mèche après ça fourre cheville 316 et puis ou seulement vin là ou visel vis là sans problème. OK? Là, OK? Gagne un trou là, gagne un trou là, wap visel sans problème. Voilà, mets toi. Voilà. Wap visel sans problème. D'accord? Qu'on y a là?
Là, nous finissons de mettre ça. Ok, mes amis, je vais mettre tout le plug salam sur le plug. Ok. Ça, c'est le plug inverter. Qui va le servir. Je vais l'utiliser pour l'inverter. Ok. Ok, quand je vais faire jonction blanc avec blanc pour neutre là. Ok. Blanc avec blanc, ok. Et puis, quand on prend rouge, on prend rouge avec noir. Blanc rouge avec noir. Alors, noir, rouge là, son fil 16 qu'il y a. Tellement prête attention, c'est 14 qu'il m'a gagné. Comme ça, comme tu dis 14, mais aujourd'hui, ils sont 16 liés. Ok, on va couper ça là. On va couper presque la même longueur. Ok, on va revisser ça. On va revisser là. BA et BA, on va prendre pour neutre là. On va mettre blanc dans BA encore. Ok. Ok, mes amis, il faut regarder pour nous. Ça, il y a un espace. Là, on lâche la vis là. Il y a un espace qui vient paraître. Pas en bas pour qu'elle visse. Ok, on va regarder, on va prendre l'espace là, mais là, on ouvert. Ok, quand on a là, l'espace là fait ouvert. On met le fil là. On met le fil là, entre fil là là-dedans. Ok, voilà. Entre fil là là-dedans. Voilà. Entre fil là. Et puis, quand on a ouvert le ciel. Ok, moins viciel. Moins viciel. Quand y a là, fil ça, c'est ça que m'te dit nous. C'est ça que m'te dit nous. C'est ça que m'te dit nous. Pour nous mettre, pour si, pour appareil qui peut marcher sous inverteur. Mes amis, ça, si vous avez un réchaud, vous avez fait à repasser le frigidaire. Ça va dépendre de wattage inverter. Si vous avez marché le frigidaire, mais je vais presque faire le petit inverter qui est simple. Parce que inverter, depuis inverter à un niveau pour le marché le frigidaire, les papes dans l'étape ça, vous comprenez? Et pour le inverter à 200 watts, 400 watts, jusqu'à là, il y a 1000 watts. Ok? Mes amis, bon prise là, les nappes montées pour les yeux, bon qui est pipitien, c'est le même qui phase là. Ok? Bon qui est pigouin, c'est le même qui est net là. Ok? Et puis ça, c'est pour ground, ça, c'est pour mise à la terre. Donc, tout comme on a coup prise là qu'on y a, je vais parler de prise là, je vais parler de ça avec nous. Si je trop de demandes pour lui, parce que je vais trouver trop important. Mes amis, ou même qui là, qui a regardé la vidéo, je vais vous demander de finir. Partagez le moi, s'il vous plaît. Partagez-le et des amis. Ou. Ok, ça va mettre dans la note là. On a vissé fil là, nous mettons le sous bord vis là pour les mettez tête fil là sous bord vis là pour les pour les vis là virer pour pas gâcher fil là. Ouais, elle était bien stable. C'est parce que mettez le dans bon normal. OK. On y a là déjà gain parti ça. OK. OK. Fin de parti ça. On y a là qui s'en ferme, ma prends un bout encore, je coupe un bout encore, ok. Ok, couper ça.
Ok, ça m'a mis dans l'output là. Mes amis, songez que je me dis si vous avez un monde, c'est pour la première fois par cette vidéo, ça va regarder le pot pour regarder l'autre là déjà. Donc cliquez dans le petit i qui en laisse ça. Petit i qui en laisse ça. On va pouvoir abjurer sur l'autre vidéo. Yo. Et pour regarder, on va rejoindre l'autre vidéo qui est by théorie. Ok? Ou bien, je vais mettre tout dans la description pour nous. Nous allons aller dans la description pour elle sans problème. D'accord, ça m'aime mieux? Ok? Quand je vais mettre ça dans l'output là, je vais prendre. Je vais prendre B pour net, mais ça c'est B, je vais faire B là. Mais sauf que je vais dévisser d'abord pour me capable de faire espace pour faire la entrée. Ok? B. B. B qui c'est net. Et A. Qui c'est phase? Phase, non, phase, net, non, net. Dans le langage vulgaire ou bien le langage créolique, là, nous avons dit ça, c'est chaud et fret. J'en ai habitué à dire. Ok? Ok? Qu'on y a là, ça a l'air de aller dans la prise qui est dans la caille là, mais c'est toute prise qui a aller sur inverter. Alors, on va faire avec une grande prise, mais ça va veut dire pourtant qu'elle a prêté avec une seule grande prise. Il a aller avec plus de prise que ça. Mais c'est sauf que c'est prise qui a fonctionné sur inverter. C'est pas prise qui a fonctionné sur. C'est pas prise qui va vous faire qui va sur lieu, c'est pas qui qui pas qui fonctionner sur inverter. Donc, ça va voir dans la prise A, dans la prise blanc, c'est ça qui a fonctionné sur inverter. Et puis, ça prend la prise crème, c'est un coup appareil et que inverter n'a pas supporté ou seulement plugger dans la prise crème, les que vous prenez courant, la tout éteint, il n'est pas prêt à fonctionner sur inverter. Ok? Vidéo qui vient après ça, c'est vidéo pour faire automatique. Et m'ap tout profiter dit tout le monde qui t'a même porté vidéo ça le plus vite que possible. Mes amis, aidez-moi partager. S'il vous plaît, moi vais avec 1000 abonnés. Et puis, pour vidéo passer avec 1000 views tout. Et puis, laissez m'ap venir avec l'autre vidéo. Mes amis, sans pile sacrifice, moi fait mon porter pour nous. Moi acheter tout bagay ça, c'est pour mon porter pour nous. Mes amis, nous carrément ce service ça. Yon lien YouTube li ale mes amis tan kon SMS ça va bouler mégabyte point qui essentiel là bon gen tan bouler mégabyte là déjà pour garder vidéo a kon yo kapé de m'batajel. OK zanmim, OK, la installation nan fini, m fin fè installation nan kon ya là mwen gen tout load qui pral aller sur inverter, ça veut dire toute charge que m ka connecter sur inverter. OK, Jean qui m'était dit là qui c'est sa prise à qui dans la dans caille là et puis ça m'était mettre le dehors car m'était dit nous toujours dans caille là, c'est parce qu'on pas gain espace qui m'était mettre le dehors. D'accord? Et bien ça prise ça c'est tout bagage qui a plugé sur inverter qui n'a mettre là dedans. Et puis ça n'a plugé seulement bagage qui a aller sur EDH seulement, nous pas besoin mais fonctionner sur inverter. D'accord? OK, quand on m'a branché appareil que m'gagne yo, ça c'est télévision, radio, ventilateur. Si c'est yo m'gagne dans caille en dans caille là, télévision, radio, ventilateur, m'ka plugé tout. Depuis m'vle plugé sur une vente, m'ka plugé tout là. Vous comprenez? Ça veut dire m'ka mettre téléphone m'en charger là, radio, télévision, météo là, yo ka fonctionner sur ni une vente ni courant. OK? Ça c'est appareil, c'est réchaud frigidaire, fait à repasser, moi mettre là. OK? On mette là. Ça veut dire ça c'est les gain EDH seulement l'app service, c'est les gain électricité, c'est les gain courant EDH seulement l'app service, pas service sur inverter. OK? Donc qu'on y a là. Double tour en li au milieu, ça veut dire li net là, li pa gain aucun source. Il pas sous aucun source qu'on y a, il pas sous ni bord inverter ni sous bord EDH là. OK, qu'on y a moi ça c'est un source EDH qui vient de un band switch parce que les que on va installer, il pas obligé de sortir dans pour toi directement pour l'entrée sur système moi, faut qu'il passe par band switch pour toi faire par l'autre protection et puis avant qu'elle arrive. Donc moi même c'est seulement installation ça qui me t'a montré parce que c'est le même qui est primordial pour moi. C'est pas sous protection que je dis, hein, OK? Protection que m'a fait c'est pour éviter une vétère bail problème et éviter une vétère crasée parce que les mal installés, d'accord? C'est ça que fait, moi porter ça pour nous. Mais ça c'est source EDH moyen,
se sous enerji kem gen ya, ki pa inverter. Alor li te ka on generatris ka founi, ki tap founi kouran, men pa inverter selman, ok? Sa se sous lan, ok? Kounya la nap gade, ok? Temoyan li men, ok? Temoyan li men la, voilà. Kounya la ki sa map fe? Mwen pase. Témoin li men pa même s'il était sous une vedette témoin d'ap toujours li men, OK? Ça veut dire depuis témoin depuis là l'ap toujours li men. Kounya la l'aime fait ça. L'aime fait ça. OK, voilà. Well. Mal sou là là mwen allé sous EDH. M'pa sous une vedette même si m'ta sous une vedette tout. Mwen te dit nou ki l'ap mette deux circuits au parallèle. OK? Youn pa rencontrer avec l'autre, OK? C'est ça que m'tap combat pour nous là le que mettel ça mettel là EDH a pas gain pour joindre avec inverter parce que immédiatement EDH ta vin là li pral servi in li pral servi un output li pral entrer dans input inverter input avec output que pas ka contrer input là pas ka entrer dans output inverter depuis immédiatement entrer dans output inverter là ça inverter pral tomber en panne vous comprenez donc kounya la gen EDH moins double zoom sur EDH. Kounya la immédiatement vous prend EDH. Yo prend EDH là. Kounya EDH là aller. M'ta dit ça, OK. EDH prend courant, OK. Kounya la si m'passe inverter, même si m'passe inverter pas grand rien qui a fonctionné jusqu'à présent. Pour qui ça? Parce que m'poko virer double zoom, OK. Parce que m'poko virer double zoom, kounya li vinn yon besoin pour moi pour me virer double zoom, OK. Plus que me besoin kounya moi vire double zoom moi mette le sur inverter ça allume mais EDH là toujours parti qui sur EDH là toujours était li pas allumé OK kounya là si yo vinn bay courant m'a on ni là on switch moi voilà EDH là appareil qui sur EDH seulement yo li men mais tandis que ça qui sur inverter là toujours était sur inverter même si m'ta fermé inverter là li toujours li éteint parce que li pas sur EDH kounya la si besoin li men kounya m'a virer double zoom mettre le sur EDH dans cette vidéo ça que m'te pote pour aujourd'hui m'espère que ou appliquer ça que m'di yo et puis sans problème m'a gagne tout appareil qui a fonctionné très bien sans ça ou pas en panne chaque vire tourner une vente pas en panne chaque vire tourner chaque mois chaque semaine parce que moi même tout compte boucler les clients bon réparer pour lui parce que imaginez bien client bon réparer une vedette je dis l'autre demain en panne soit qu'il a bail problème pour que sa installation pas normal donc je pense après je dis on a géré ça 100% donc ou gain pour devoir abonner like partager pour moi s'il vous plaît aidez-moi pour capable joindre en pile l'autre bagaille que m'a porté venir sur channel là m'a dit restez là ensemble avec nous en faire famille grandir s'il vous plaît amis. Et puis comme ça, on va jouer dans pile d'autres belles vidéos. Donc, on va ces vidéos, ça va intéresser en pile parce que mon problème, on a commencé à résoudre là tout. On va parler de problème chaque jour parce que là où un problème, c'est quand même obligé de réparer parce que soit besoin d'une vedette pour fonctionner, obligé de réparer. Mais là, on va sortir aucun possibilité pour gérer toute bagaille. D'accord, amis? Ok, moi quittez nous là. Prochaine vidéo qui va venir, c'est façon que vous capable faire système ça automatique en côté que vous pas même besoin manyen là tout bagarre fait pour compte c'est clap tout à fait pour compte donc m'a dit gain temps abonner pour pas perdre occasion ça et puis descendre puis bas dans commentaire bon mon petit commentaire dis-moi comment on te travail là dis-moi s'il t'est bien fait si vous comprenez qui mal fait tout ajoutez-le pour moi s'il vous plaît moi même m'a garder façon que me corriger ça et puis m'a améliorer ça pour donc tout ça que vous voulez me faire en plus tout écris dans les commentaires en bas channel là dis-moi pour me capoter pour d'accord merci beaucoup parce que tu as regardé vidéo une autre vidéo pareil c'est pour semaine prochaine.